Bon, ben on va se lancer. Alors, l'idée, c'est de faire un continu de six rencontres de monteurs, gens de l'ombre, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, avec chacune des disciplines qui construisent le film, enfin un certain nombre, ils ont. Là, on n'est pas dans l'ordre, parce que l'idée alors était d'avoir d'abord le scénariste, puis le réalisateur, puis la photo, puis le musicien, puis le monteur son, par exemple. Enfin voilà, j'étais un peu parti sur six rencontres, comme ça, croisées entre le monteur et autres techniciens. Voilà. Et donc, on commence par la photo aujourd'hui avec Renato et Valérie, qui ont monté tous les deux qui ont monté et photographié 7 ou 8 films d'Oliveira, dont on va voir des extraits. Je ne pense pas qu'il peut y avoir une seule théorie de montage, autant qu'il n'y a pas une seule théorie de photographie. Ça dépend beaucoup des metteurs en scène, des réalisateurs. Il y a des metteurs en scène qui pour eux, le montage, ils se résout à coller à peu près les plans les uns après les autres, de comment ils étaient tournés. Il y avait même des réalisateurs, je ne sais pas, paraît-il que Jim Carrey, je ne sais pas si c'était vrai, que oh, qu'à un certain moment, ils mettaient carrément une main devant la caméra pour éviter qu'on coupe trop tard. Voilà. D'autant plus qu'à l'époque, justement, le montage, on appelait le final cut aux États-Unis, et souvent les réalisateurs, ils n'avaient même plus accès à ça. Chose qu'en Europe, ce n'était pas totalement la même chose. Bref, c'est bien évidemment mieux. Donc ça dépend vraiment beaucoup des réalisateurs. Moi, je peux parler du point de vue de la photo. Je dis, c'est clair que le travail qu'on faisait ici avec Manoel Le Libéra, il n'a rien à faire avec le travail que moi j'ai fait avec Alain Rénier ou Éric Romer. C'est des formes de cinéma tellement différentes. Mais c'est vrai aussi que c'était pas une perte de temps, quoi. Le fait de faire de la lumière, c'était quelque chose d'essentiel, et il était là quand on faisait de la lumière. De temps en temps, je lui disais, Manoel, allez boire un café, j'aimais bien les cafés, allez boire un café, laissez-moi tranquille au moment. Alors, si, il partait, 5 minutes après, il allait avec sa tasse de café, non, je m'assieds ici, je dis rien, mais bref, mais il était là, quoi. Je dis, il jouissait du moment qu'on fabriquait un plan. J'avais noté quelque chose que tu as écrit dans ton bouquin. Ah mon Dieu. Je trouve intéressant, j'avais envie de vous lire, si c'est bien. Qui fait un peu pendant ce que tu dis. Quand on filme quelque chose, ce qui apparaît à l'image n'est pas seulement ce qu'on a filmé, mais aussi tout le reste. Oui. Et tout le reste, c'est quoi? Eh bien, je ne sais pas. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'avec Manoel, plus qu'avec n'importe quel autre réalisateur, j'ai éprouvé cette différence fondamentale entre ce que l'on filme et ce que cela devient à l'écran. Cet au-delà, et qui n'est ni dans le scénario, ni dans la chose que l'on filme elle-même. Manoel Le Libéra savait saisir cela mieux que personne. C'est pour ça que je dis que des fois, les monteurs, ils sont méchants. C'est vrai, c'est vrai. Mais également, j'ajouterais à ça que si on n'est pas méchant, on monte mal. Oui, je pense qu'une des meilleures qualités d'un monteur, enfin une des qualités essentielles d'un monteur, est d'être méchant, d'être extrêmement sévère, et quelquefois plus sévère qu'un réalisateur qui peut être avec son actrice, en admiration totale devant son acteur, etc. Tout le monde me connaît, c'est bon, tout le monde me visualise. Adrien nous accompagne depuis 3 ans pour ses journées consacrées à des acteurs et des actrices. Il était là il y a 3 ans ou 4 ans, avec Jim Carrey, enfin sans Jim Carrey, mais avec Adrien. Sans Sigourney Weber l'an dernier, mais avec Adrien. Et là, c'est sans Brad Pitt, mais avec Adrien. C'est la pire présentation, clairement. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de jeunes dans la salle. J'étais encore plus surpris d'apprendre qu'il y avait pas mal de gens qui n'avaient jamais vu Seven. J'ai compris que c'était le film le plus touchy en termes de spoil. Promis, je ne rentre pas dans l'histoire, je vais vraiment rester en amont. Je ne spoil rien, je ne divulgue rien. Mais quand même. J'ai eu la bonne place pour ton anecdote maintenant. Ah oui, oui, non, non, mais à propos justement, c'est à propos des éléments qui font que moi je vis les plans d'une autre façon. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans le film, à un certain moment, il y avait un plan où il y avait des moutons qui arrivaient d'assez loin, qui passaient devant un endroit où il y avait des fleurs et sortaient du champ. Alors, ce plan-là, c'était le plan du film, c'est-à-dire une galère absolument incroyable. C'est-à-dire que Manoel, il voulait, il y avait qu'est-ce que c'était qu'une fleur? Je ne sais plus. Trois fleurs rouges qui étaient plantées dans un endroit, et il y avait une ombre de deux maisons, et le soleil passait, hop, il éclairait ces trois fleurs. Et alors, des fois, on avait les fleurs, mais il n'y avait pas de soleil. Des fois, il y avait le soleil, les fleurs, mais il n'y avait pas les moutons. Des fois, il y avait les moutons, mais pas le soleil. Enfin bref, c'était une galère et qu'on a renvoyé tout le temps ce plan. Bref, finalement, un jour, on passe tous les deux pour les voir en décor. J'ai vu qu'il y avait le soleil. Manoel, ici, vous savez, dans une demi-heure, on aura le soleil. Regarde ça. Elle dit, ah, vous avez raison, tournons le plan. Alors, l'assistant va chercher les chèvres. La madame, elle n'est pas là. Bref, une galère à mettre en place le plan. Finalement, on trouve une position de caméra, on fait répétition avec les comédiens, les chèvres et tout. Parce qu'on tournait seulement pour pas répéter. On répète, les chèvres, ils rentrent, ils voient les fleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les fleurs. Ils mangent les fleurs. Je me souviens, Manoel, moi j'ai commencé à rire, évidemment. Manoel furieux, après les chèvres et tout ça, parce que finalement on n'arrivait jamais à retourner ce plan, il prend la voiture, donc Manoel d'Oliveira, il parle de son frère Casimiro dans le film, qui est décédé suite à un accident en voiture, parce qu'ils couraient en voiture les deux frères. Manoel c'était un chauffeur, enfin un coureur, un pilote de voiture. Bref, il prend une voiture, je me souviens qu'il a pris une voiture, il a fait une tête à queue en parlant. Pour ça, il est parti dans le village en bas, acheter du papier craft, il a fait des fleurs, des faux fleurs, et on a tourné le jour d'après avec des faux fleurs. Et c'était lui-même qui les avait fait. Voilà. Donc, imagine-toi, moi, quand je vois ce plan, si je pense pas à ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est très chargé pour moi. Chose que, oh, vous savez, une distance telle que je t'ai jamais raconté cette histoire. Eh bien, regarde bien les fleurs, elles sont fous. Eh bien, voilà. Ben voilà. Ça, c'est la différence qu'il y a entre... Et il ne l'a pas raconté. Donc, non plus, il ne dévoile pas. Voilà. Il montre et... Attends de voir si je vois. Non, voilà.